Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo expérimentation sur Arduino. Cette fois-ci, nous allons revenir sur une de nos vidéos dans laquelle nous avons expliqué comment afficher un pixel avec la librairie Adafruit GFX et par la même occasion, nous avons expliqué comment programmer un générateur de fractal de Mandelbrot sur une carte Arduino. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous donnera les clés pour comprendre le code que nous vous proposons aujourd'hui. Revenons à notre sujet. Nous allons vous montrer simplement comment passer de la fractale de Mandelbrot à une autre famille de fractales qui sont les fractales de Julia. Pour rappel, la fractale de Mandelbrot est obtenue en utilisant la formule Z0 égale à 0, Zn plus 1 égale à Zn au carré plus C, et où C est un nombre complexe qui change pour chaque point du plan. Pour obtenir l'ensemble de Julia, il nous suffit de rendre le nombre C constant dans chaque point du plan. Ce qui veut dire que C aura une valeur unique pour la totalité du plan. Encore une fois, je vous encourage à revoir notre vidéo précédente sur l'ensemble de Mandelbrot. Voyons maintenant ce que nous obtenons pour différentes valeurs de la constante C. Toujours, les codes sources sont disponibles sur notre GitHub et les liens sont donnés dans la description de la vidéo. Pour finir, nous allons aller encore plus loin, cette fois avec un zoom à l'intérieur de la fractale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'expérimentation sur carte Arduino. Je tiens seulement à signaler que cette fois, je n'ai pas utilisé une carte Arduino Uno, mais une carte Genuino 101. Cela tout simplement car la carte Arduino Uno est actuellement accaparée par un de mes projets qui fera l'objet de ma prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pour finir de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.